tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai eu envie de vous montrer quelque chose à propos de quelques tirages pour changer un peu. J'ai encore des vlogs en réserve, j'ai encore des reviews en réserve. Pour ceux qui ont vu mon post communauté, vous savez que je suis en train de préparer le vlog du mois de septembre. Donc, je vais aussi le mettre en ligne à partir de début septembre. Et puis là, en fait, il y a quelques jours de ça, j'avais repris ce livre qui est le livre qui accompagne un gros coffret qui n'est pas un tarot de Marseille. Une grosse, énorme erreur sur le titre du livre. D'ailleurs, vous voyez bien, il est indiqué « Nouvelle version illustrée par Arthur Waite et Pamela Coleman-Smith ». Donc, c'est le livre qui accompagne un gros coffret avec un jeu Rider Waite-Smith classique. Et qui a été écrit, comme vous le voyez, par Rachel Pollack, qui est quand même... une figure connue dans le monde du tarot. Et en fait, dans ce bouquin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a des tirages pour chacun des arcanes majeurs. Vous voyez, le tirage de la papesse, si je tourne de page, ça ne le fera pas. Le tirage de l'impératrice, le tirage de l'empereur. Et l'autre jour, j'avais pas vraiment de questions particulières, mais j'avais envie de tester un peu des jeux que je n'avais pas encore beaucoup utilisés. J'avais envie de tirer les cartes, mais j'avais pas de questions vraiment particulières. Et donc... je prends ce livre, j'en ai d'autres, hein, des livres de tirage qui proposent des idées comme ça de tirage pour les jours où on ne sait pas trop quoi demander. J'ai des livres à thème avec des questions, j'ai un livre où il est présenté 365 tirages de tarot, c'est déjà pas mal. J'en ai un autre qui propose aussi des tirages un peu sur des thèmes un peu particuliers, parfois qu'on peut vraiment faire... tous les jours, vous savez, quand vous n'avez pas vraiment de questions, ce sont des tirages vraiment très très généraux sur des thèmes de la vie, quoi, on va dire. Puis j'en ai acheté un autre là, où il y en a 1001, je crois, que je dois d'ailleurs encore vous présenter plus ou moins, mais je ne peux pas vous montrer toutes les pages, vous imaginez. J'en aurai pour 3 heures, il faut que je vois comment je vais faire la vidéo. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai tiré celui-ci. Je parle de tirer des cartes. J'ai pris celui-ci. J'ai été rechercher celui-ci. Je ne peux pas trop vous dire pourquoi. Et je suis tombée sur quelque chose mais que je n'avais jamais remarqué. Et je voulais vous le montrer. Alors, il faut peut-être que j'en retrouve. Voilà. C'est ici. Questions et propos des consultants. C'est dans l'introduction, elle explique ça. Et donc, elle explique un petit peu, quand elle reçoit quelqu'un, elle dit « Parfois, nous devons aider les consultants à reformuler leurs questions. Le thème de l'âme sœur est souvent formulé de la façon suivante. Quand vais-je rencontrer mon âme sœur? Cette question appelle deux conditions irréalistes. La première serait que le conseiller soit clairvoyant et qu'il donne la date exacte ainsi que le lieu de la rencontre. Ça, c'est quelque chose de toute façon auquel je ne crois pas, même pour les voyants, médiums. Je ne dis pas que de temps en temps, ça ne peut pas arriver quand même, parce que peut-être certains vont me dire « Si, si, moi, on me l'a prédit et ça, c'est arrivé ce jour-là. » Mais en fait, je pense que le plus souvent... c'est très très difficile de prédire le temps, encore plus à notre époque. Quand je dis notre époque, c'est vraiment maintenant. Et de plus en plus, je veux dire, pour reprendre une citation bien connue, aujourd'hui, moins plus qu'hier,
et bien moins que demain. Parce que les énergies s'accélèrent très 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 fort et que le moindre petit changement dans votre énergie, dans votre vibration, change les choses. Donc pour aller prédire à quelle date les choses vont arriver, réellement, moi je ne m'y engagerai plus du tout, du tout, du tout. À savoir que de toute façon, je ne l'ai jamais fait. Mais je n'y crois plus. Selon ce que je perçois du monde actuellement, c'est quasiment impossible à faire. Parce que le temps n'a plus non plus la même dimension qu'avant. Parce que si je crois tout ce que j'ai lu sur ce qu'est réellement le temps dans notre monde, et j'ai retenu les choses qui me paraissent cohérentes et logiques, hein, eh bien en fait on s'aperçoit que le temps c'est juste une dimension de notre monde. Et cette dimension-là, elle a changé. Donc ce qui pouvait être valable il y a des années en arrière, ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, bon, ça c'était un petit aparté qui n'a rien à voir avec ce que je voulais vous montrer. Et puis la deuxième condition serait que le consultant refuse de s'investir afin d'évoluer. Reformuler les questions telles que je l'ai indiqué auparavant dans mon exemple permet d'obtenir de meilleurs résultats. Ça, c'était pour vous poser un petit peu le cadre. Et puis, il y a ce petit paragraphe-là qui m'a paru mais extrêmement important et certainement pas que pour des consultants. Et c'est pour ça que je vous le livre, parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre et à tirer surtout les cartes pour vous. Pas que, peut-être, mais peut-être en premier ou en tout cas, vous avez peut-être envie d'avoir des choses qui peuvent vous servir à vous. Et donc, c'est ce petit paragraphe. Elle dit, il existe une autre possibilité pour tirer les cartes. Transformer les propos des consultants en questions. Par exemple, pendant une consultation, une femme raconte « J'ai le sentiment traîné dans ma vie. Je ne sais pas ce que je veux. J'aime mon travail, mais parfois j'aimerais le quitter et partir. Pourquoi pas en Italie ? Mon mari est un homme bien et je crois qu'il m'aime. Mais je ne suis pas sûre de l'aimer encore. Notre fille vient de quitter la maison et je me sens renaître. Dois-je reprendre les études ? Peindre ? Avoir une aventure amoureuse ? Aller dans un monastère ? Je ne sais vraiment pas quoi faire. » Si cette femme me consultait, je lui ferai mélanger les cartes et je lui laisserai les tirer l'une après l'autre de la façon suivante. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple, bien entendu, hein, les propos tenus par cette femme. Moi, ça m'a fait penser à ce qui tourne parfois dans mon mental. Est-ce que j'ai bien fait de changer de boulot? Est-ce que je vais y arriver avec ma fille? Est-ce que finalement, j'ai bien fait de me séparer de son père? Pourquoi est-ce que depuis que je me suis séparée de son père, je suis seule? Je vous donne des exemples de ma vie et je ne veux pas aller plus loin parce que je ne veux même pas vous raconter toute ma vie avec tous les détails, n'est-ce pas? Mais ça me fait penser à ce genre de choses qui parfois me tournent dans la tête. Vous savez, quand le mental se met en route et que vous avez des questions qui reviennent et reviennent et reviennent et reviennent. Et figurez-vous que je l'ai fait, j'ai retraduit mes pensées en espèce de propos, comme elle le dit ici, et j'ai tiré une carte pour chacune des affirmations. Et ça a été un tirage, mais formidable. C'est pour ça que j'ai voulu, quand je l'ai eu fini, je me suis dit, ça il faut que je le montre sur la chaîne. Parce qu'en fait, c'est trop bien. Parce que des fois, on a une question. Et puis, on se fait un tirage avec, vous savez, les obstacles, machin. Et finalement, on le refait 2 semaines après. Parce que finalement, on avait une réponse. Mais c'est peut-être pas ça. Et moi, en tout cas, quand je l'ai fait, j'ai vraiment eu
des réponses qui sont beaucoup plus profondes, parce que c'est comme si, en reformulant ça, le tarot, parce que je l'ai fait avec un tarot, vu que c'est un livre sur le tarot, hein, avait été chercher quelque part une réponse vraiment très profonde. Et ça m'a donné un apaisement que les autres tirages ne me donnent pas nécessairement. Maintenant, ça dépend sur quoi? Sur des petites situations plus temporaires, oui. Mais sur des grandes questions comme ça, quand vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous posez des tas de questions, eh bien moi, en tout cas, ce tirage m'a donné de l'apaisement et j'avais énormément de choses. J'avais 20 propositions et donc évidemment, je l'ai noté dans mon carnet de tirage et les jours qui ont suivi, je suis parfois allée rechercher. Ah oui, j'avais encore tiré compte sur cette question-là, parce que la question, parfois, elle revenait encore. Ah oui, j'avais... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Et quelque part, vraiment, ça me permet de prendre beaucoup plus de recul. Vous voyez ? Donc, je vais vous montrer comment elle a traduit les propositions. Bon, c'est un peu décousu. C'est plus difficile de préparer ce genre de vidéo. J'espère que vous m'aurez suivi, que vous ne m'avez pas perdu. Donc... cette fameuse consultante qui lui raconte « J'ai le sentiment de traîner dans ma vie, etc. » Elle a traduit ça par 1. Le sentiment de traîner dans sa vie. Et on tire une carte. 2. Ne sait pas ce qu'elle veut. Et on tire une carte. Aime son travail. Et on tire une carte. Démissionner. Et on tire une carte. Parce que, vous voyez, dans des tirages classiques, on ferait 2 tirages. On dirait, et encore non, on dirait pas aime son travail et démissionne. On dirait, est-ce que je reste dans mon travail ou est-ce que je démissionne? Et on ferait un tirage à 2 choix ou on ferait 2 tirages. Mais on ne ferait pas un tirage sur j'aime mon travail. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Et je vous promets que moi, quand j'ai traduit mes questions comme ça, mais j'ai eu des choses... Qui m'ont dit « Ah ouais, mais oui !» Et alors, vous, des fois, vous comprenez pourquoi vous vous posez les questions et surtout, vous vous dites des fois, pour certaines questions, « Mais pourquoi je me pose la question ? En fait, je sais. Pourquoi mon mental revient encore là-dessus ? Il n'a pas de raison. » Et alors là, c'est comme si le mental captait un truc et se disait « Mais en fait, j'ai plus besoin de me poser la question. J'ai la réponse. » Donc ensuite, partir en Italie, son mari, un homme bien, qui ferait un tirage sur ça? Sur, quand on dit, mon mari est un homme bien. Parce que en fait, peut-être qu'en tirant votre carte, vous allez vous dire, bah oui, en fait, mon mari est vraiment un homme bien, pourquoi je me pose une espèce de question? Ou au contraire, vous allez découvrir que peut-être, dans votre inconscient, vous vous dites que votre mari n'est peut-être pas un homme si bien que ça. Je ne parle pas de votre mari à vous, hein, mais c'est un exemple. Parce que ça pourrait, la question, elle pourrait être sur votre travail. Pour vous, hein, chaque personne va avoir des propositions différentes, bien entendu. Hein. Les miennes n'étaient pas du tout semblables à celles-là. Hein. Alors, pense qu'il l'aime. C'est merveilleux. Je veux dire... j'aurais jamais pensé, moi, à faire un tirage sur ce genre de choses-là, vous voyez? Mais pas sûr de l'aimer. Donc, elle pense que son mari l'aime, mais elle, elle n'est pas sûre de l'aimer. Et vous voyez, quand vous tirez les 2 cartes une après l'autre sur ce genre de proposition, parce que moi, dans mes questions, j'avais ce genre de truc-là. Des choses un peu paradoxales, vous voyez? Enfant qui a quitté la maison. Donc ça, c'est un petit peu une nouvelle situation pour laquelle on n'a pas encore tout à fait trouvé comment faire. Renaître, reprendre des études, peindre, aventure amoureuse, monastère. Et après, surtout, confusion. Parce que bien sûr, une fois qu'on a fait toutes ces propositions-là, il reste peut-être encore des choses confuses.
ou peut-être beaucoup moins confuse qu'on ne le croit, ou beaucoup plus confuse qu'on ne le croyait. Et c'est intéressant de tirer une carte. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que pour certaines cartes où je ne comprenais pas bien, j'ai recouvert. Donc, il y a des propositions sur lesquelles j'avais deux cartes. Et avec la deuxième carte, ça avait vraiment éclairé, un petit peu comme on fait dans un tirage classique, ça avait vraiment éclairé la question un petit peu qui tourne dans mon mental. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous livrer ça. Je ne sais pas si avec cet exemple-là, vous arriverez à le transposer dans votre vie. Moi, ça m'avait paru évident, en fait, peut-être parce que c'était le moment dans ma vie. Je ne sais pas trop, vous me direz en commentaire si vous comprenez ou pas. Mais moi, en lisant le paragraphe et puis les propositions-là, je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire, en fait. Et donc, je m'y suis mise. Je me suis mis toutes les questions qui tournaient dans mon mental depuis déjà, mais longtemps, parce qu'il y en a qui remontent à loin, 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 puisque je vous dis, hein, au départ, ça reparle de mon changement de vie, hein, où des fois, mon mental me dit encore, mais est-ce que tu as bien fait? Alors que mes ressentis me disent, tout va bien, tout va bien. Mais mon mental revient à la charge, hein, en me disant, ouais, mais est-ce que tu as vraiment bien fait? Donc, j'ai vraiment senti que ça allait m'aider et franchement ça m'a vraiment aidé, donc je voulais vous en parler. Mais comme je ne voulais pas limiter la vidéo à ça, parce qu'en fait je croyais que ça allait me prendre 5 minutes alors que ça fait déjà presque 17 minutes, mais bon, lol, je vous ai aussi sorti des petits tirages qui sont un peu exceptionnels. Des tirages qu'on ne voit pas partout. J'avais envie de vous partager des tirages qu'on ne voit pas partout, que j'ai réussi à dénicher au fil de mes recherches sur les tirages. Et j'ai trouvé celui-là, la méthode de tirage socratique, les 7 pourquoi. Alors, on peut le faire si on a une question précise. Donc, on tire une carte. Si vous avez une question précise, vous tirez une carte. Ou alors, vous tirez une carte qui vous inspire une question. C'est-à-dire que vous laissez le jeu choisir le thème. Parce qu'encore une fois, parfois, on n'a pas de question vraiment précise. On a juste envie de tester un jeu ou on a juste envie de tirer des cartes. On n'a pas vraiment de questions précises. Et souvent, le jeu va aller chercher quelque chose que finalement, on a quand même bien en tête. Et après ça, vous tirez une carte pour la réponse. Et à partir de la réponse, vous posez une nouvelle question, c'est-à-dire pourquoi? Donc, imaginons que j'ai une question. Ou plutôt que je n'ai pas de question, ce sera plus simple. Hein? Puisque je ne vais pas vous faire un exemple avec une question. J'ai pris mon tarot ici. Je vais tirer une carte. Je vous dis, hein. Je n'aime pas du tout à cause de la façon dont je dois mettre mon téléphone pour filmer. Je n'aime pas du tout tirer les cartes en vidéo parce que c'est extrêmement inconfortable. Je ne suis pas du tout bien mise et donc je me sens extrêmement mal habile à tirer les cartes. Donc, voilà. Je vais laisser, voilà, roi de coupe. Et donc, je vais lui dire pourquoi le roi de coupe? Ça peut aussi me rappeler une carte que j'ai eue dans un tirage. Pourquoi le rat de coupe? Ok. Pourquoi le monde? Pourquoi cet épanouissement? Huit de coupe. Ah, parce que je m'éloigne de quelque chose qui ne me convient pas ou parce que j'entreprends un voyage intérieur. Très bien. Pourquoi ce voyage intérieur ou à quoi il mène ce voyage intérieur? Et vous avez le 9 de bâton. D'accord. À continuer à être dans la résilience, à continuer à malgré tout, à tenir le coup, etc. Donc, vous voyez comment ce tirage peut se faire et puis vous le faites jusqu'à ce que vous trouvez une boucle ou que vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Vous pouvez aller jusqu'à 5, jusqu'à 7 ou 9 cartes.
Et c'est un tirage que je fais de temps en temps et qui est franchement pas mal du tout. Ça répond bien en fait. C'est un petit peu comme quand vous recouvrez, vous voyez, les cartes parce que vous n'avez pas, vous avez l'impression de ne pas avoir tout à fait votre réponse. Et puis finalement, vous recouvrez pour préciser votre réponse. Sauf qu'ici, c'est le tirage tout entier qui est réalisé comme ça. Alors, j'ai aussi celui-ci, le tirage à 7 cartes, qui est de Liliane Souvé. Donc le Socratique, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté, je pense que je n'ai pas trouvé l'auteur. Alors, en fait, on tire 7 cartes, mais comme vous le voyez, on en tire 3, une quatrième qu'on met au-dessus, et puis on en tire encore 3. Et en fait, on interprète carte par carte, et la quatrième carte, c'est la réponse. La synthèse, le chef d'orchestre. Ça, c'est un peu quand on a une question. Et puis, on interprète les cartes par deux. Donc, la 1 avec la 7, la 2 avec la 6, la 3 avec la 5. Et puis, la quatrième, ben, elle reste toute seule. C'est votre synthèse, la réponse à votre question. Donc, si je reprends mon tarot, je vous montre, hein, je ne vais pas vous interpréter un tirage. Je vais juste vous montrer quand même le schéma pour que vous compreniez. Donc, on tire 3 cartes. 1, 2, 3. On met la quatrième au-dessus. Et puis, on fait 5, 6 et 7. Ça sort de l'écran. Je vais essayer. En plus, j'ai pris un grand tarot. J'aurais dû prendre un tout petit tarot, un mini tarot. Ça aurait été plus facile. Voilà. Écoutez, je vais les mettre comme ça et on va pas laisser l'espace pour la 4, on va la mettre carrément au-dessus. Donc, vous allez avoir la 1. Donc ici, j'ai Tempérance. J'ai le 2 de denier. J'ai le valet de bâton. Je vais peut-être essayer de le remonter un peu. Peut-être que comme ça, vous verrez mieux. On va voir ce que ça donne. Alors, là, j'ai ma synthèse. Donc, ma synthèse, c'est l'as de bâton. C'est intéressant qu'on a le bâton là. Alors, on a le 7 de denier, on a le 4 de denier et on a l'impératrice. Et donc, on va interpréter d'abord chaque carte par rapport à notre question. On peut aussi décider que c'est à peu près chronologique, hein, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, vous avez quelque part la quatrième qui serait la septième. Et donc, après, vous allez interpréter la tempérance avec l'impératrice, le 2 de denier avec le 4 de denier, et puis le valet de bâton avec le 7 de denier. Vous voyez comment on interprète du coup les cartes. Voilà. Donc celui-là, je le trouve aussi, il sort un peu de l'ordinaire et il est assez intéressant. Alors, on avait encore sorti deux autres. Celui-là, le tirage en 10 cartes de Jen. Alors ça, c'est un que j'ai trouvé en vidéo sur Internet il y a déjà un certain temps. Et bah, la dame, elle disait juste qu'elle s'appelait Jen. Donc, j'ai pas d'autres précision. Bon, j'ai ressorti mon tarot de Django. Ce sera plus facile, il est plus petit. Et donc là, on interprète les cartes encore d'une autre façon. Bon, je les mélange comme ça parce que, encore une fois, j'ai pas de questions. C'est juste pour vous montrer en fait le schéma. Et donc, on fait 1, 2, 3, 4. On fait 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Alors, celui-là, il est chronologique et il s'interprète par groupe de cartes et la dernière vous donne votre réponse. Donc, vous avez là, c'est le début, si vous voulez, de votre question. 1, 2, 3 et 4. Et vous interprétez ça. C'est un peu, c'est le début, c'est la genèse, ça peut être le passé. Mais c'est en tout cas ce qui vient en premier par rapport à votre question. Ensuite, ce qui vient après. Vous avez la 5, la 6 et la 7. Et vous les interprétez
toutes les trois, ensemble. Évidemment, par rapport à ce groupe-là aussi. Après, vous avez l'étape suivante. Vous avez le 8 et le 9. Donc, vous interprétez aussi ces deux-là ensemble. Et puis, par rapport à celle-là et à celle-là. Et puis, vous avez votre réponse. On a la même réponse que dans le tirage précédent. J'adore. On a l'as de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de savoir que la réponse, c'est l'as de bâton. C'est peut-être moi. Hein. Mais franchement, j'ai même à peine mélangé les cartes. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Moi, je ne considère pas que c'est vraiment un tirage. Mais c'est pour vous montrer, parce que parfois, mon petit schéma ici, il est bien beau, mais des fois, c'est pas hyper facile, j'imagine, pour vous, que de voir les cartes sur la table, on comprend mieux. Donc, c'est bien 1, 2, 3, 4. Après, si vous voulez faire 1, 2, 3, 4, rien ne vous en empêche non plus. Hein. Vous savez, c'est nos conventions qui sont importantes. Hein. C'est pas ce qui vous est expliqué, vous prenez ce qui vous parle et si vous avez envie de changer, vous changez. Donc voilà, ça c'est celui en 10 cartes et j'en avais encore un que je trouvais sympa et qui sort un petit peu de l'ordinaire, qu'on ne voit pas très souvent. C'est le tirage conditionnel en 3 ou 5 cartes de Lilith Tarot. Je pense qu'il était dans le premier cahier de vacances. Je sais plus trop. Je crois que je l'ai trouvé dans un cahier de vacances. Mais pas de cette année. Hein. Donc, on a en fait... c'est un tirage dans lequel on lit les cartes en rapport l'une avec les autres. Et on a comme des propositions, si vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en trois cartes. Et en trois cartes, c'est... Puisque, alors, donc. Donc, vous avez l'énergie passée, l'info clé et l'action à faire ou l'attitude à adopter. Donc, l'énergie passée, puisque, je reprends mon tarot Django, hein. Donc, puisque ceci, alors, là, j'ai une info clé. Donc, je fais ceci ou je me comporte comme cela. Donc, puisque j'ai un projet, par exemple, alors je dois avancer, me mettre en route. Et puis, donc je dois rayonner. Pour pouvoir avancer, il faut que je rayonne. Imaginons. Après, je n'avais pas non plus de questions très... j'ai pas du tout de questions précises en tête. Et on peut le développer en 5 cartes. Et alors, c'est si on a 2 cartes, alors on en a une. Et donc, on en a 2. Donc, si... Alors, on a si, alors, ça, alors, et puis on a donc, je dois d'abord et. Donc, on le fait en 2 étapes, si vous voulez. On a deux infos sur le si. Si, as de denier et 6 de denier, alors 9 d'épée, et ensuite je dois grande prêtresse et 3 de denier. Vous voyez, donc là, moi, comme ça globalement, hein, je vous dirais, avec l'as de denier et le 6 de denier, je me dirais, puisque j'ai peut-être donner un peu trop d'argent ou dépenser un peu trop d'argent, enfin, t'es trop généreux peut-être. Alors,
J'ai des pensées pas très positives, des angoisses, voire des cauchemars. Alors, on me propose beaucoup plus de revenir à une certaine sagesse et surtout de m'écouter moi, d'écouter mes ressentis, parce que peut-être que là-dedans, on savait bien qu'on avait donné, qu'il fallait pas, hein, qu'on avait été trop généreux. Alors, on nous propose de revenir à nos ressentis et de reconstruire, hein, avec le 3 de denier, à partir de nos ressentis. Soit de reconstruire votre budget ou voilà, de repartir comme ça dans votre gestion budgétaire. Donc voilà, ça c'était ce petit exemple. Donc finalement, je pensais faire une toute petite vidéo rapide et j'en suis à 30 minutes. Mais voilà, je voulais, c'était chouette, je me suis bien amusée à vous les montrer. J'espère que ça a été suffisamment clair parce que je pense que le premier, je me suis un peu égarée. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas tout compris. Et je vais vous mettre les photos des tirages en post communauté. Comme ça, vous aurez l'occasion de les regarder de plus près. Si vous n'avez pas bien vu ou si vous avez envie de revoir un petit détail d'un tirage. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si c'était clair ou pas. N'hésitez pas à liker aussi quand même. Enfin, si vous avez aimé. Et puis, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.